Ouais. Sont verrouillés. J'ai besoin du rig d'un administrateur du pont pour les ouvrir. L'administrateur du pont est le responsable d'Alas. Il est sur le pont inférieur de traitement. Je détecte aussi le rig d'un certain Jacob Temple, sur le pont inférieur de maintenance. Peut-être qu'il a laissé la balise de détresse là-bas. J'espère que ces dysfonctionnements t'empêcheront pas d'y arriver. Ce sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des pièges. Les mineurs ont essayé de se défendre. Merde. Bon, je vais déverrouiller les ponts inférieurs. Assure-toi juste que la balise n'est connectée à rien. Thank you.
Liz, c'est Jacob. J'ai pas réussi à te joindre. Si tu trouves ce message, je suis plus sur le pont, mais je reviendrai vite. J'ai reçu l'appel d'un autre survivant, il avait l'air terrifié. Je vais boucler la balise de détresse et aller le chercher. On a le temps avant la fenêtre de lancement, de toute façon. Et il a l'air de valoir le risque. C'est un médecin du nom de Mercer, je crois. J'espère que ce sera bientôt terminé. Je t'aime. Fais attention à toi, s'il te plaît.
ouverte. Oh. Oh. Oula. Ici le responsable Dallas, dernière entrée du journal. J'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas quitter le pont inférieur, mais je suis coincé aussi. J'ai vu ce qu'ils infligent à ces corps, ce qu'ils deviennent. Et je refuse que ça m'arrive. Au moins, si je n'ai plus de membres, je ne pourrai tuer personne quand je serai infecté. Dites à Dawn, à mes enfants, que je les aime.
Il doit être dans les conduits du pont d'équipage. Il s'aborde quelque chose. J'ai reperdu le signal d'Amande. Trouve-moi cette balise de détresse. Je vais me tirer de ce putain de vaisseau. J'ai mis les affaires dans la machine. Oui, allô, j'écoute. Mis les affaires dans la machine. Sympa. Ah, je parle à ma chérie en même temps. C'est sympa, t'as mis mes affaires dans ta machine, c'est sympa. Désolé. Non, mais c'est sympa. Ça, j'aurais pas besoin de faire. Enfin, c'est ma mère, elle a pas besoin de faire. Mais c'est bien, tu partages. Ouais, parce que quand je rentre du boulot, je suis très sale. Et je me change tous les jours. Bah, figure-toi. C'est que moi, sache que je fais là, j'ai été baptisé au. C'est hier, j'ai été baptisé à la bière Bond. Oh ! De l'accident ? En fait, ils ont reçu de la bière. Et des fois, comme le lycée, ils mettent ça dans le camion, après ils livrent ça ou ils s'en foutent. Comment ça fait, ils s'en foutent hein. Ils font ça un petit peu ça à la vite. Hein, ils livrent. Notre boulot c'est de livrer, donc ils livrent. Enfin, ils livrent des fois, ils livrent un peu. Enfin, bref. Et puis là, le gars qui travaille avec. Le gars avec qui je travaille, il me dit c'est pas grave parce qu'il y a. C'est pas grave parce qu'il y a l'année qui fuit. Ouais. Bon. Je vois. Moi je prends. Donc moi je prends le. Oui. Non mais c'est pas ça, c'est que. Non mais c'est pas ça, c'est. Salut, retour. Non mais c'est pas ça, c'est que moi je prends le. Tu sais, je prends le cutter, tu sais pourquoi. Je prends le cutter pour. Couper le plastique. Puis je suis tombé, puis il me dit tiens tu regarderas ceux qui fuient. Puis j'ai dû tomber sur ceux qui fuyaient et puis avec le cutter il a touché ceux qui fuyaient. Puis ça a fait avec le gaz, ça a fait un effet de boum. Puis je me suis pris toute la bière sur moi. Ah ouais, ça a vraiment explosé quoi. Bah ça fait paf. La bière, ouais, ça franche. Ouais, t'en as eu partout. Voilà, donc peu la bière jusqu'à là où j'arrête. Pas forcément. Ah bon, je suis rentré le midi, puis à la douche. Hein, parce que payer plus la bière. À moins qu'il picote pas. À moins qu'il boit pas de bière, qu'il boit pas de tout ça. Mais ça, même la tourtelle. Ah tout ça. Trop bon ça. Mon seul alcool c'est le coca. Ah non, moi je suis pas. Oui, je me suis permis de t'inviter en vocal. Oh, j'ai pas. Comme ça c'est plus simple. Pour me raconter un petit peu comment ça se passe. Non, j'ai pas fait la petite piqûre. Ça se passe. Oh, en plus les gars, en plus ceux avec qui je travaille, ils ont à peu près le même mail. C'est bon.
Moi, j'en ai 42, Luc qui s'occupe. Luc qui me dit ce qu'il faut que je fasse. Et qui remplace le patron quand il est pas là. 43. Il y en a une autre, la 42. À peu près c'est ce que l'image. C'est pas des petits jeunes. C'est pas des petits trucs de 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont la prétention de dire. On a la prétention de dire. Rétro dans la peau, qui est sur ton live. Ouais, qu'on a la prétention de. Qu'on a la prétention de t'apprendre le métier. Enfin, ils ont la prétention surtout de te dire comme tu veux. Coucou Rétro, c'est Genesis. Voilà. Je venais sur le vocal de Wood parce que apparemment il a reçu un nouveau joujou. Ah mais moi j'ai pas. Ah oui mais moi j'ai pas attendu. Ah mais moi j'attends pas le 24. T'as pas entendu mon autorisation pour le déballer. Quelle autorisation? T'as pas fait un unboxing là ou Si j'ai un unboxing. Et si je suis, je l'ai fait mais le problème c'est que je suis pas équipé, moi je sais rien. Quand je découpais le carton, parce que alors, contrairement à ce que beaucoup disent sur Amazon, contrairement à ce que beaucoup en disent, moi le enfin, la console elle est arrivée intacte, machin. Oui, c'est un détail qui est bon à savoir. Parce que moi, quand j'achète une console de jeu, ou par exemple un. C'est vrai que j'aurais pu. C'est vrai que j'aurais pu attendre. C'est vrai que j'aurais pu. Certains vont dire ouais, mais t'aurais pu. T'aurais pu attendre. Oh toi, t'aurais pu attendre le magasin, Kogue, t'aurais pu attendre. En magasin, c'est. Ah, En magasin, le truc, c'est que. Ils te proposent des assurances, c'est pour. Oui, voilà, oui. En plus. À Micromania, c'est les. À Micromania, c'est les. C'est les rois. C'est les spécialistes. Voilà. La dernière fois que j'ai pris, c'est la Wani, je crois que j'avais pris chez eux. Ah ouais, ils m'ont dit ouais, pensez à assurer votre console et tout ça, non. Assurance d'un an, et au bout d'un an, bah y'a tout qui lâche, donc t'es baisé. Non mais c'est bien que tu aies passé par Amazon, comme ça tu vas nous dire ton expérience. Et puis c'est bien aussi que tu nous dises que tu as reçu le colis dans un bon état, parce que moi je l'ai pas reçu. J'ai pas trop confiance quand c'est des petits colis. Je pourrais faire des achats comme ça. Franchement, tous les colis que j'ai reçus. Des grosses pièces comme ça, 500 euros, tu mets 500 euros et que tu reçois une console qui est minchi par la livraison. Moi perso, j'aurais trop le démon. Ah non, franchement. Donc, tu nous confirmes que t'as pas eu de soucis. Ah non. Par contre, je sais pas si t'as fait un live, mais je sais pas si t'as fait un live. Okay. Moi, j'ai coupé. Ah. Ouais, plusieurs fois. Ouais. J'ai coupé parce que y a ma chérie qui est rentrée à la maison et puis on va se préparer à aller à table tranquillement. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de. Oula. Ah, parce qu'en plus, il faut gérer les. Et là, je suis sur ton live, bah, tu vois, si t'as un viewer en plus, c'est moi. Ouais. Non, mais j'ai pas eu de problème. Très bien. Donc là, tu joues par l'intermédiaire de quelle console? La vieille ou l'ancienne? Non, la série X. D'accord. Bah là, en fait, tout à l'heure, quand je te disais pour la place, en fait, la.
En fait, la série S, moi je l'ai mettée verticale, c'est verticale. Et la série, c'est horizontale. Moi sur mon meuble que tu vois, moi sur mon meuble, que ce soit la série X ou la série S. Après là où t'avais raison tout à l'heure sur ton live, après là où t'avais raison, c'est que quand, si par exemple t'as un petit meuble. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a encore qui mettent la série X au lieu de la mettre en hauteur, ils la mettent. Parce qu'en fait, ils ont un petit meuble qui fait que ça rentre pile poil. Il rentre pile poil, mais verticalement et pas horizontal. Alors, normalement, la série X, ce que j'ai compris, elle est pas trop faite pour être verticale, elle est plus faite pour être horizontale. Moi, elle est pas trop faite pour être verticale. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai que quand t'es un petit meuble, c'est un petit meuble où t'as des étagères et puis que. Oui, un petit meuble télé. Par exemple, pour un petit meuble télé où t'as des étagères, par exemple, la série S, elle prend pas tant de place que ça. Tu la mets entre des planches et puis c'est bon, ça passe. Par contre, la série X, et c'est peut-être là que le bas blesse, c'est que ceux qui ont des meubles, parce que tu en as qui ont des meubles télé et qui peuvent pas les mettre sur le meuble parce que justement faut qu'elle soit en longueur et pas en horizontale et pas verticale. Oui. Le problème c'est que t'as pas d'autre choix que de la mettre soit à côté de ta télé ou machin parce que c'est. Je te rejoins, oui. Après ça prend pas. Que... Après la série, ça prend pas énormément de place. C'est par exemple une grosse console. C'est une console, ouais, c'est un cube, quoi. Hein, c'est un cube. Donc c'est pas non plus un gros cube, quoi. C'est pas non plus un cube. C'est un peu pas similaire qu'une tour d'ordinateur, quoi. Ouais, encore. Je veux dire, toi par exemple, bon, si un jour tu te prends un série, tu verras par toi-même. Je suis sûr que là où est ta télé, tu la mets à côté, ça passe. Hein. C'est vraiment pas la grosse. Comparé à la PS5 qui, elle, oui, prend de la place parce que c'est quand même une grosse bébête. C'est quand même une grosse bébête, la PS5. C'est une grosse bébête, ouais, comme tu dis. Elle est imposante. Par contre, la PS5, sur mon meuble, que j'ai, là, par contre, je dois bien avouer que là, vu comment allait la PS5, j'aurais juste la place de la mettre, tu vois, à côté de ma télé, mais pas que je mette quelque chose à côté, quoi. Tandis que avec la série S, je pouvais mettre la série S. Parce que quand je mettais la Xbox, je pouvais la mettre à côté de la série S, ça passait impeccable. Je mettais juste la série S sous l'écran de ma télé, je mettais la Xbox à côté, ça passait nickel. Là, avec la série, c'est pareil. Avec la série, si je la rapproche un petit peu de ma télé et que je mets le modem de la Xbox à côté, ça passe. Par contre, la PS5, clairement, ça passe pas parce que la PS5, quand tu vois le truc, comme c'est immense, même sur un même télé, c'est pas. C'est vrai que Xbox quand même, bon, c'est vrai qu'Xbox on est critique sur beaucoup de choses. Mais là, oui. Comme bien reconnaître que là, console, ils ont pas fait quelque chose non plus immense. Oui, je voulais en rebondir sur un point, c'est que il est déconseillé de mettre la console couchée. Eh ben c'est ce que je dis. Faut la mettre au niveau de la ventilation, ça se fait moins bien. Et pareil, si tu mets, si la console elle est à l'intérieur d'une case par exemple, vu qu'il n'y a pas de circulation d'air, elle a tendance à surchauffer trop vite et c'est comme ça que la catastrophe ça arrive. Bah ça tu vois. Donc tu risques d'avoir des pannes plus régulières. Plus souvent que si d'habitude tu la mets à l'air libre sur ton meuble comme tu m'expliques. Bah ça tu vois les de l'aération, hein. C'est vrai que de l'aération c'est vrai que faut mettre pour que tu vois par exemple ceux qui mettent leur console dans des
des meubles. Ça se ferme. Oui. Qu'il les case dans des meubles comme si c'était un. Voilà. Un lecteur DVD quoi. Voilà. Ça c'est une connerie, ça tu vois, pardon. C'est une connerie. Parce que si tu mets. Si tu mets ta console dans ce genre de meubles et qu'il n'y a pas d'aération. Moi je sais que mon cousin une fois il avait mis une PS4 je crois dans un meuble et il fermait son meuble, il a fermé donc il y avait vraiment aucune aération. À un moment la console elle chauffe et comme elle peut pas et comme il n'y a pas d'aération, il n'y a rien. Eh oui. Et la console elle sait plus quoi. Et faut la CSPL quoi. Il y a de l'aération parce que s'il n'y a pas d'aération, tu peux avoir tous les ventilos que tu veux. S'il y a zéro aération, ça faudrait qu'ils le disent aussi. Les vendeurs spécialisés, style Micromania, les vendeurs, excuse-moi, mais les vendeurs, excuse-moi, ils vendent leur console, ils la vendent parce qu'il faut la vendre. Hein. Voilà, c'est pour faire du chiffre. Salut tout le monde. Une fois avec mon. Salut, Jésus, salut. C'est ça, je suis l'élu, je suis Jésus. Eh oui, c'est ça, ma Seigneur. Je l'ai dit, Sir Luce, j'ai pas 36 missiles, moi. On avait vu une fois avec mon père, à Auchan, à Vizy, où j'habitais. On s'était renseigné sur une console. Moi je me suis renseigné, j'avais été voir le vendeur et j'avais posé des questions techniques sur la console, c'est que moi je connaissais la réponse. Le vendeur était à côté de moi, il m'a regardé avec des yeux comme ça, il parle. Et je lui dis, une question toute simple, à l'époque il n'y avait pas encore la 4K, il n'y avait pas encore la 8K comme il y a maintenant. J'avais posé une question simple, hein, genre est-ce que sur la console on peut la brancher en HDMI, enfin c'est une question simple quoi. T'as un mec qui m'arrête, il fait des gros yeux comme ça. Et moi je lui dis, bah attends, je te pose une question simple quand même, c'est pas une question quand même compliquée. Est-ce qu'on peut la brancher en HDMI? Ah bah le mec il a jamais su me répondre. À part me faire des gros yeux comme ça, je dis, mais attends, c'est des. Puis il y a des personnes qui sont novices dans le domaine et qui savent pas. Non mais je lui dis, non mais. Qui des consoles et qui les mettent dans leur meuble télévision et. Faut savoir que ça surchauffe les consoles si tu les. Puis tout l'histoire. Tu laisses pas suffisamment de ventilation. Alors le but c'est quoi? C'est de sortir. Attends, ce que moi je pense. C'est de sortir de ce vaisseau en vivant. En fait, c'est de se barrer du vaisseau, puis voilà. C'est survivre. Et puis surtout survivre. Ouais. Et le principal. Maintenant, faut qu'il ressorte. Mais le principal, c'est de se barrer. Donc, quand tu dis au vendeur, est-ce que ta console se branche? Est-ce que la console elle se branche en HDMI quand tu vas avec le mec? Il te dit, véhicule comme ça, il fait oh. T'en as une fois, il m'a carrément dit, il a carrément avoué, je comprends pas, je sais pas quoi. C'est moi qui lui dis. Je pourrais pas vous répondre, mais c'est vrai que. C'est moi qui. Ils sont pas suffisamment formés. C'est moi qui lui dis. Le problème, c'est qu'ils vendent pas que des consoles de jeux, ils ont. Plein d'autres équipements en vente. Pour une montre collectée, s'il te plaît, c'est la croix et la bannière. Et c'est moi qui lui ai répondu. Pour nous vendre la montre, hein, ils nous disaient même des mensonges. Et c'est moi. Une autonomie de malade mental. On a testé la montre. Elle a dit non, ça va pas fonctionner parce qu'on a regardé sur internet et l'autonomie elle était même pas de 6 heures. Ah voilà. C'est trop peu. Parce que ma chérie elle cherchait une montre connectée capable de mesurer sa fréquence cardiaque quand elle fait du sport, si tu veux. Mesurer tout ça, tu vois. Et c'est compliqué hein.
Surtout même, même si tu mets le prix dans la montre, c'est pas forcément l'autonomie qui est. Bah, ce qui est surtout compliqué, c'est quand tu achètes ce genre de montre et que tu dis au vendeur, mais attends, mais voilà, comment ça marche, c'est que le vendeur il t'aide, Oui, voilà. En fait, il va te vendre le produit le plus cher et basta. C'est comme pour les jeux vidéo. À une époque, à Micromania, il y avait un mec que mon père connaissait, que moi je connaissais aussi. On l'appelait que le cheval. Parce qu'il avait, que le cheval. Et ce mec-là, à Micromania, dommage, il a pas fait long feu parce que il était trop. Lui, au moins, comparé aux autres vendeurs, il surveillait parce qu'il connaissait. En fait, moi je suis né à Bézi. Et lui. Et lui, à Bézi, il connaît tous les. Il connaissait tout le monde. Il me connaissait tous les jeunes qui habitaient à Bézi, etc. Il connaissait ce jeune-là, il connaissait aussi les parents. Et donc, quand il y avait un, jeune qui venait à Micromania et puis qui disait bah tiens, je voudrais marcher ce jeu-là, et lui, comme il connaissait, il savait ce qu'il y avait. Donc, il disait non, c'est pas pour toi, t'as pas le droit. Et alors, ce qu'il faisait pour la plupart du temps, parce que c'était malin, les mecs, hein. Il demandait au grand frère, bah tiens, tu viens, tu prends le jeu, puis c'est pour moi. Mais lui, il le savait. Il savait que le jeu, qui passait par le grand frère, et puis etc. Donc, comme il connaissait le truc. Et en fait, le directeur de. Ça, il voyait pas ça d'un très bon oeil, parce qu'il disait, ouais. Et pour lui, il disait, ouais. Les gens ils vont aller voir ailleurs. Alors que non parce que moi je trouve c'est bien, parce qu'au contraire ils savaient très bien que le jeu était pas fait pour eux et que voilà. Mais bon, pour une sorte de vente, il faisait pas de l'argent au magasin, parce que justement il faisait trop son boulot de bonheur. Ça, le patron, bah, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont passionnées et ça, le patron, et qui aiment leur métier et qui ont envie de donner des bons conseils. Mais il y en a, ils sont pas assez formés, et du coup, ce qui importe, c'est la vente. Et les patrons, ils veulent qu'il y ait énormément de sorties, énormément d'achats. Donc il pousse à la consommation, quoi. Les mineurs ont dû piéger les tubes de lancement aussi. Ouais. Bon, par contre là je vais te laisser. Parce que on va s'apprêter à manger. Il doit y avoir un autre moyen. Et puis je vais aider à. Ouais, puis bouge un malin en fait, hein. Oui, elle a eu une dure journée. On aura du signal. Elle a failli perdre ses. Les AirPods, mais elle les a retrouvés, c'est les écouteurs sans fil. C'est notre meilleure chance, Kendra. Saisis. AirPods. C'est bien pratique, mais par contre, faut pas les perdre. T'es bien dans la merde. Mais les AirPods, pendant un temps, il y avait un mec qui les faisait gagner sur YouTube, quoi. En fait, un jour, j'avais vu une vidéo sur YouTube, quoi. Et t'avais un mec, il croisait des jeunes bots. Il faisait ça à Paris, parce que bon, si il fait ça à joli. Il faisait ça à Paris et donc il croisait des personnes comme toi, bref. Et puis en fait, il leur faisait croire qu'il leur pétait le fil, carrément, tu sais, le fil du écouteur. Puis comme ça coûte très cher, bah forcément ça les faisait parier, parce que bon, ça coûte de l'argent. Puis au moment. Quand il voyait comme. Parce qu'en fait, c'est pareil, tu vois, il vient tourner pas de face, mais bon, c'est pareil. Et donc, quand il voyait que les gens s'énervaient, il dit qu'est-ce que tu me fais, tu me boutes ton fil, il essayait de le faire descendre, puis en disant, ouais, c'est une blague. Et en fait, en cadeau, il leur offrait des AirPods. Il leur offrait des AirPods, en fait. Et il s'était content parce que au final ils se sont un peu énervés, parce qu'ils croyaient qu'il avait coupé le film, mais en fait non.
je pense que le mec il avait des. Je pense surtout que le mec il avait des. Sûrement un partenariat avec. Avec Apple ou je sais pas. Oui. En fait, bah, il avait des AirPods de tout le monde, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre comme concept. Bon, bah, je te laisse. Ouais, bah, c'est un concept YouTube. Je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Allez, bye. Allez, bye. Et même moi des fois, j'ai du mal à comprendre leur concept. Bon. Bon, Jésus, c'est pas que, mais je vais arrêter là parce qu'il va être 7h30. Puis, bah écoute, je vais reprendre ça tout à l'heure tranquillement. Puis voilà. Puis merci d'être passé en tout cas, Jésus. Et voilà. Bah, je sais pas encore là. Pareil pour Cyrilux, merci d'être passé. Et le rétro. Hey. Tout à l'heure, pour ceux qui sont encore là, ou je sais pas, une autre fois. Hey!